monde, bienvenue pour ce 16e jour de décembre. Aïe aïe aïe, Noël approche. Il est temps de faire un grand ménage dans votre vie. Et si je vous disais que ce qui vous définit sont les 5 personnes qui vous entourent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Viviana. J'ai créé cette chaîne pour aider tout le monde à aller au-delà de la maladie, pour trouver la vie et l'amour. Donc, aujourd'hui, nous allons attaquer le vif du sujet. S'il y a bien une chose que j'ai compris pour aider à guérir, c'est de comprendre en fait au niveau énergétique qu'est-ce qui vous met down. Et s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que votre énergie dépend des 5 personnes qui vous entourent. Si vous voulez vibrer haut, si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez réaliser vos rêves et de faire de vos rêves une réalité, qui sera la prochaine vidéo, il faut impérativement penser et réfléchir à vos 5 personnes les plus proches. Et qu'est-ce qu'elles vous procurent? C'est quelque chose, un travail très difficile à faire, je vous l'accorde. Mais une fois que vous le faites, vous allez voir que ça va changer votre vie. Il faut, quand vous voulez vraiment rester dans la vie, vous entourer de personnes positives. Ça, c'est la généralité pour tout le monde. C'est la base. De personnes positives et ambitieuses. Parce que, imaginons, je vous mets un contexte. Vous voulez réaliser un projet et en fait, vous avez quelqu'un auprès de vous, une amie ou un ami, qui vous dit « Ah, mais c'est bon, franchement, tu arriveras jamais. Et puis, de toute façon, tu n'as pas d'argent et tu n'as pas l'expérience. » Vous voyez, est-ce que vous avez envie en fait de réaliser votre rêve? Non. Donc là, c'est déjà le départ. Imaginez, vous voulez vous guérir. C'est le but de cette chaîne. C'est vraiment de comprendre votre maladie, de l'accepter et d'aller au-delà pour trouver la vie et enfin trouver l'amour. Et je prends l'exemple de l'amour. Ah mais non, tu peux pas parce que t'es malade. Aucun homme ou aucune femme voudra de toi parce que t'es malade. Est-ce que vraiment, vous allez réussir avec cette énergie-là à trouver l'amour? À trouver quelqu'un de bien. Non, vous allez rencontrer des personnes toxiques en fait. Parce que votre environnement, vos personnes qui vous entourent sont toxiques. Donc c'est important de vous entourer de personnes qui vous veulent du bien et surtout qui ont un esprit de vous vraiment pousser vers le haut. Ça, c'est important. Et on dit que le positif attire le positif. Donc si vous êtes dans une énergie négative, vous allez en fait attirer à vous le même vibe, malheureusement. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont malades attirent à elles des personnes, on va dire, charo ou DPN, pervers narcissique, parce qu'en fait, elles ont beau être indépendantes, combattantes, etc., mais elles vont en fait attirer des personnes toxiques parce qu'elles ont elles-mêmes en fait dans leur environnement. En fait, elles ont, comme elles ont toujours connu ça, pour elle, c'est normal. Et vraiment, c'est rare quelqu'un qui n'est pas passé par un manipulateur ou un pervers narcissique pour justement réaliser qu'il faut faire ce ménage. Moi, pour ma part, c'est vraiment le fait d'avoir croisé ce type d'homme qui a fait que je me suis dit non. Moi, je veux pas vivre ça. Je veux vraiment l'amour, le vrai. Et je veux vraiment rencontrer quelqu'un que je mérite et qui mérite en fait. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai ciblé mon entourage. J'ai vraiment fait un nettoyage radical. Mais ça fait du bien. Alors c'était difficile, je vous l'accorde, mais ça fait un bien fou. Donc je vous laisse prendre une feuille et noter les 5 personnes les plus proches de vous. Premier exercice. Deuxième exercice, dans une colonne, de mettre ce qu'elle vous apporte et ce que vous attendez d'elle. Qu'est-ce que vous voulez de cette amitié-là? Et là, en fait, vous allez voir si cette personne, elle répond à vos attentes, déjà. Pour la deuxième personne, vous allez faire pareil. Vraiment, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Quand vous allez moins bien, est-ce qu'elle est là ou pas? Quand vous voulez quelque chose de nouveau dans votre vie, comment la personne réagit? Vraiment, écrivez tout. Et vous allez vous rendre compte, en fait, qui il faudra éliminer de votre vie. On va dire, laisser partir de votre vie pour faire place à quelqu'un qui va en fait vous aider à réaliser vos rêves et à transformer votre vie. Et c'est que comme ça que vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en fait, il se peut que vous ne vous rendez pas compte que...
Et ce qui est marrant, c'est quand vous faites cet exercice-là, vous allez me dire, oh, mais en fait, cette personne-là, mais elle a rien compris à qui j'étais. Et je peux vous dire que ça peut arriver. Et en fait, d'avoir le courage de... Vous savez, des fois, on est mal à l'aise, on a des intuitions, mais on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas faire les choses. Et une fois que vous vous rendez compte que cette personne fait ça, vous vous dites, une fois que vous l'éliminez de votre vie, oh, c'est comme si vous avez une bouffée d'oxygène. Vous dites, waouh, j'ai un poids qui est sorti de moi. Parce qu'en fait, c'est le type de personne qui va vous pomper. Donc en fait, vous avez beau voler, déployer les ailes et voler, I believe I can fly, mais cette personne, en fait, elle va essayer de vous couper les ailes. Et une fois que vous l'éliminez de votre vie, et ça, c'est inconsciemment, on est d'accord, hein, parce qu'on a aussi des amis toxiques, ça, on est d'accord, c'est inconscient, mais une fois que vous faites le nettoyage, mais je vous garantis, vous vous sentez vraiment pousser les ailes et vous allez voler. Et vous allez voler, et puis en fait, vos nouveaux 5 personnes qui vous accompagnent à réaliser vos rêves, vous allez voir que votre vie va se transformer. Moi, pour ma part, j'ai fait ce nettoyage en décembre 2020, du coup. Et cette année, ça a été mon année. J'ai terminé mon livre. J'ai créé cette chaîne YouTube. Tout ce que j'entreprends pour aider les gens, ça se réalise. J'ai retrouvé mon chirurgien. J'ai pu... Alors que c'est quelqu'un de renommé, j'ai pu lui parler, enfin j'ai fait des choses impossibles. Ma vie en fait s'est transformée. Et je vous conseille à tous de faire pareil. Et vous allez voir que tout ce que vous visualisez, tout ce que vous voulez attirer à vous, si vous avez un environnement serein, un environnement positif, une vibration haute, vraiment entourez-vous de personnes qui vous font vibrer haut. Et vous allez voir que vous allez même plus vous reconnaître. Moi, il n'y a que maintenant, donc on est en décembre. Il n'y a que maintenant que je commence à accepter tout ce qui m'arrive. Parce que c'est vrai que du moment que j'ai fait ce nettoyage, j'ai ouh, il y a eu tellement de choses qui arrivaient à moi que je n'avais plus à gérer. Et je me dis, oh là là, c'est pas vrai, c'est pas possible. Tout ce que j'ai souhaité arrive maintenant. Et il n'y a que maintenant que j'ai pris le temps de me dire, ok, pose-toi, Viviana. En fait, au final, c'est tout ce que tu as souhaité. C'est arrivé d'un coup parce que tu mérites. Et ben voilà ce que ça fait que faire un bon nettoyage, être entouré de personnes qui te veulent du bien, équilibre haut. Pour te faire vibrer haut et réaliser des choses fantastiques. Donc, vous aussi, vous êtes capable de rendre possible l'impossible. Il suffit juste de vous entourer des 5 personnes les plus proches qui ont cet esprit le même que le vôtre pour que vous puissiez vibrer haut et attirer des magnifiques, belles choses positives. Profitez de ce 16e jour de décembre, juste avant Noël, pour justement réaliser tous vos rêves. Ciao, ciao!